Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Kalao. Aujourd'hui c'est un grand jour, les poulets sont sortis dehors. Ça fait désormais une semaine qu'on les a à la maison. Donc ils s'adaptent bien, la peur du changement, donc on leur apprend petit à petit à se balader dehors. On les a poussés aujourd'hui avec force pour qu'ils aillent dehors parce qu'ils avaient, ils avaient quand même peur de l'extérieur, même s'il y avait une, je veux dire, la moitié des poulets qui sont quand même sortis assez simplement. On a également protégé nos plants, nos arbres fruitiers et nos différents plants pour que les poulets ne puissent pas vraiment pas abîmer les plants. Donc tous nos plants sont protégés à l'abri des griffes et des becs des poulets. Donc à la fin de la journée, les poulets rentrent à la maison dans leur poulailler et c'est à ce moment-là seulement à 17h qu'on leur donne la nourriture pendant un temps déterminé. Donc on a calculé au départ 45 minutes. Ça suffisait à peu près pour que tout le monde puisse manger, je vais dire, à sa faim. Et que le lendemain, on recommence. Donc la logique, c'est vraiment de mettre une routine vraiment bien calée au niveau de l'emploi du temps du poulet pour que ça soit plus simple pour l'animal et aussi pour l'être humain qui gère le poulailler. Dès la réception des poulets, on s'est rendu compte que certains étaient malades. On a notamment détecté le cas de coryza et de coccidiose. Donc là, ce que vous voyez, c'est un poulet qui est malade et maigre. On a décidé alors de les mettre en quarantaine. Donc on les a placés dans ce bâtiment. Les trois poulets que vous voyez là sont malades, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont maigres, on sent qu'ils sont faibles. Ils ont la râle, donc au niveau un grattement au niveau de leur poitrine. Ils éternuent aussi, donc c'est vraiment ce qu'on appelle la grippe du poulet. On a décidé de leur donner une pâtée nutritive. Donc c'est composé de différents ingrédients que vous voyez à l'écran et ça permet vraiment de leur apporter des nutriments très concentrés et on leur donne ça plusieurs fois par jour. Après l'enregistrement de la première vidéo sur la visite du poulailler, nous avons décidé de creuser un puits. Donc nous avons fait appel à des gens spécialisés qui nous ont sondé le puits, qui ont creusé le puits. Donc le puits fait actuellement 25 mètres et on a aussi associé un château d'eau. Donc une petite pièce, un petit local et sur ce toit, on va mettre aussi une cuve qui nous permettra d'assurer notre propre approvisionnement en eau et aussi celle de l'élevage. L'eau est un point crucial de toute façon quand on est dans une ferme et encore plus dans un site isolé comme ici, c'est-à-dire que pour le jardin, j'ai besoin d'eau pour mes cultures personnelles et aussi pour ma pépinière. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument. À l'heure actuelle, on fait la navette pour aller puiser dans un forage qui est au village à presque 2 km. Donc on fait les allers-retours avec la voiture, avec des bidons, mais c'est clairement une situation très contraignante. Nous revoilà 2 semaines après la première vidéo qu'on a fait. Donc les poulets sont vraiment clairement maintenant adaptés. Vous voyez que le sol a très vite changé.
en deux semaines et demie, je suis vraiment étonné du résultat au niveau de la, au niveau du travail qu'ils ont fait, du grattage du sol, de vraiment d'avoir, je vais dire, tout détruit, parce que c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Je suis aussi très content parce qu'ils ont aussi fertilisé le sol. Mais là, on va devoir clairement bientôt les passer dans l'autre côté de la, l'autre partie. Donc je pense que comme c'est plus grand, ils vont faire peut-être, j'espère, 4 semaines, 5 semaines. On s'est rendu compte au niveau de la nourriture qu'une fois par jour, c'était un peu juste. Donc on avait un baisse de ponte, on avait aussi des poulets qui étaient très affamés. Donc on s'est aperçu qu'il valait mieux donner deux fois par jour, deux fois. On a préféré faire deux fois 45 minutes. Donc là, c'est le moment de leur donner à manger. Ils ont très faim. Ils sont tous autour de moi. Donc, c'est vraiment le moment de leur donner à manger. Donc, c'est parti comme ça pour 45 minutes. On les laisse bien manger, on regarde le temps et on fait tout ça en fait pour vraiment contrôler et connaître un peu l'alimentation de nos poulets. Donc on veut se rendre compte aussi leurs limites et le surplus, parce qu'on s'est rendu compte que si on laisse toute la journée ouvert, les poulets mangent toute la journée et ce n'est pas notre objectif. Parce que si les poulets mangent toute la journée et qu'on leur donne en abondance, on ne gagne clairement pas. Ça fait partie des clés pour bien comprendre son business et, je vais dire, connaître ses dépenses. Parce qu'il faut connaître avant tout ses dépenses avant de savoir ce qu'on gagne. Bon appétit les gars. Nous sommes en train de finaliser notre système d'eau. L'important, c'est d'utiliser ce genre de raccord. Pour ceux qui veulent faire des systèmes d'irrigation automatique où l'eau reste dans les tuyaux, c'est clairement cette qualité-là qu'il faut. Donc c'est vraiment un gain de temps très important pour la gestion de l'eau. On n'est plus obligé de donner dans des gamelles d'eau. L'eau est beaucoup plus propre aussi. Et puis il y a un accès à l'eau, je vais dire, homogène partout, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc c'est vraiment bien plus pratique pour les personnes qui sont derrière ça en termes de travail quotidien. Notre pondoir aussi est partagé entre un échec et une réussite. Certaines poules viennent pondre dedans et d'autres préfèrent pondre dehors. Donc on a préféré donner un accès avec un perchoir. Bon, on s'aperçoit qu'elles dorment aussi dedans. Elles dorment aussi la nuit sur les perchoirs, ce qui fait qu'il y a certaines déjections qui restent au niveau de la paille. Donc on récolte en moyenne, je dirais, 5-6 œufs par jour. Ce qui n'est pas encore suffisant pour être rentable, parce que au niveau de la quantité de provende consommée et au niveau des œufs pondus, c'est pas encore rentable. Mais on attend vraiment aussi le pic de ponte quand toutes ces poules aussi commenceront à bien pondre. Et là, on espère avoir une demi-alvéole par jour, c'est-à-dire 15 œufs. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si comme nous, vous êtes passionné d'élevage et d'agriculture, je vous invite à aimer cette chaîne, à commenter, à partager, à faire tout ce qu'il y a à faire. De mon côté, j'ai d'autres vidéos en projet, donc si vous voulez suivre l'aventure de cette nouvelle ferme, moi je m'engage à vous montrer les bons côtés, les galères, les bons moments. Donc si vous voulez vraiment suivre cette aventure, je vous invite à nous suivre et merci aux nouveaux abonnés. Ciao !